Bonjour, aujourd'hui nous sommes en présence de... Choco doucement, hi, c'est moi madame Kwadjo toujours, celle qui frappe les garçons en soubri. Mon mari est en France actuellement, ça va. Okay, tu connais mon histoire. Nous aurons deux questions à lui poser rapidement. Mémé de Nao, c'est ça? Oui, madame okay. Kwadjo. Madame Kwadjo. Oui. Donc, madame Kwadjo, oui. Nous aurons deux questions à vous poser. La première question, comment appelle-t-on la femelle là, du serpent? Serpent mêle. La femelle là, du serpent. Serpent mêle. Où est-ce serpent mêle. Non, oui. c'est pas ça. Bon, c'est pas femme. Ok, on va essayer. Moi, il m'a fréquenté pour aller louer. Ah, d'accord. On va essayer de poser une autre question. Moi, vous n'avez pas fréquenté, moi, vous avez fait le village. Oui. Donc, oui. Comment on vient, ah, attends, ouais. Attends. Comment appelle-t-on? C'est-à-dire que, on dit, je veux savoir si, comment vous appelez ça? On dit un igname, mais on dit une igname. En bas, on appelle ça doué. Non, je dis en français. Un igname, mais une igname. Et c'est Nao, ce n'est pas là. T'as une unité. Vous voulez l'appeler? On appelle Nao pour demander à Nao. Non, mais si vous répondez à la question, vous repartez à la maison avec 10 millions. Gros feu de patate. Non. On dit un igname. Le Seigneur a raté ça la voix. Bon, si tu dis igname, c'est pas mieux. Non, on veut savoir le déterminant qui suit igname. C'est-à-dire qui précède igname. Déterminant, c'est qui? Lui qui vient avant igname. Genre, son gars, quoi? Pas son gars, c'est-à-dire, j'entends, tu vois, on dit un homme, non? Une femme. C'est pour igname, on dit un homme, on dit une. T'as 1 000 000, il faut manger. Madame! Hi! Hey, pas fumer ça.